Ma très belle Olivia. Je fais tout mon possible pour payer tes études, ma chérie. Tu as 1 million de francs congolais. Et ta femme alors, elle va s'inquiéter, non? Ton père également se débrouille pour trouver un emploi. Tiens, c'est pour toi. Mais c'est plus que mes frais académiques. Oui, le reste, c'est pour tes besoins. Nayeko Bomawa! Oh, on était ça, boy. Si tu as payé 85 dans le 85, il y a papier, il y a un bon. Maman, Nayeko, tu as payé. La maison. Pourquoi? J'ai beaucoup de travail au bureau et je me vois obligé d'avoir 2 heures supplémentaires. Là, je suis contraint de vivre dans cette pauvreté et de mourir dans cette pauvreté qui caractérise notre famille. Et oui, nous sommes peut-être pauvres, mais pas des criminels. Au moins, l'un de nous cherche à gagner sa vie. Je t'ai fait venir pour te soumettre un problème que j'ai. Rien ne marche entre mon épouse et moi. Le mariage est un grand travail. Comment tu le sais? Oh. Alors que tu n'as jamais été mariée. Toi aussi. Je sors avec un homme marié. Tu rentres quand à la maison? Je n'en sais rien! Ok? Je n'en sais rien! Et peut-être jamais! Oh. Marcus! Fous-moi la paix! Tu attends la vie, tu rends ma vie encore plus malheureuse! Fous-moi la paix! C'est vous des bouteilles? On le ramasse pour aller le vendre et pour trouver quelque chose à manger. Je peux me joindre à vous? Non. S'il te plaît. Non. Comme ça, tu auras plus de bouteilles que les autres garçons en plus. Ça te fera beaucoup d'argent. On vend comme ça, on part comme ça, on part comme ça, on part comme ça. Donc, on ramasse ici, on part, on le vend là-bas à Kingabo. On ramasse ici. Ah bon, Kingabo, c'est pas loin? Non, c'est pas loin d'ici. Pourquoi tu peux pas t'imaginer qu'une meuf comme Olive peut sortir avec un gars comme moi? Non, sérieux. Tu sais, le meuf comme Olive s'intéresse plus aux gens, aux vieux papas bourreux de fric. Elle n'a rien à faire de jeune garçon comme toi. Tu sais que tu l'accuses de tout ceci déjà bien avant qu'on puisse être ma copine, celle-là. Tu te fous de ma gueule? Sentis bien. Et Boris, je pensais que tu avais des sentiments pour lui. Bien sûr. Mais il m'a l'air d'une distraction. Distraction? En quoi? J'en sais rien. Chacun a son rôle précis à jouer. L'un y est pour le fric. Et l'autre pour... l'amour. Mais attends, la jeune fille, est-ce que tu l'aimes? Tu dois avoir l'air fatigué. Pas du tout. Oh, Clavie, s'il te plaît. Marcus! Marcus, tu me manques. Tu me rends heureuse, chérie. Olive? Oui. J'ai pas l'intention de gâcher ta surprise, mais maman, papa t'a acheté un cadeau hyper cher. Tu dois vraiment être dans son cœur. Bien sûr. C'est tellement romantique. Boris? Ouais.